Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien, les amis, et que vous êtes prêts à attaquer ce nouveau mois de l'année. Écoutez, c'est parti, hein. Donc, on y va les Gémeaux. Pour ce mois de janvier, premier mois de l'année 2024, qu'est-ce qui va dominer pour les Gémeaux? Alors, en signe solaire, ascendant et lunaire, les amis Gémeaux, on y va. Alors, ok. Alors, on a fragile, tout se brise en un souffle, incertain, instable, ok. Donc, qu'est-ce qui est incertain et instable, les Gémeaux? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation en particulier? Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait tenir un petit peu sur un fil, hein, sur ce mois de janvier. Ok. Bah écoutez, on va aller voir la suite, hein. Comme ça on va y voir clair tout de suite. Allez, Gémeaux, janvier 2024. Alors, on va aller voir votre énergie principale, ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge, qu'est-ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou du mois de janvier. Bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après, hein. Si vous connaissez, je le dis tout le temps, mais je préfère le redire. Donc, ce n'est pas fixe du 1er au 31 du mois. Ok, et ensuite, je prends un autre tarot pour développer les domaines de vie. Alors, on va aller voir le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir les activités, le professionnel, etc. Et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok. Alors, énergie principale, cavalier de bâton. Bon, bah, déjà, vous allez être énergique, les amis. Ce que vous voulez le plus, c'est un 3 de coupe. Défi de challenge. Ok, c'est l'étoile. Qu'est-ce qui va vous aider? Valet de bâton. Ah ouais. D'accord. Vie sentimentale, on a le soleil. Ok, ça, c'est super. On a l'impératrice dans la vie professionnelle. On a notre reine d'épée en spirituel. Et vous finissez avec le 8 de coupe. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qui est incertain? Ouais. Ok. Bon, on va aller détailler tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? On a en arcane majeur, vous en avez trois quand même, les Gémeaux. Vous avez l'étoile, vous avez le soleil, vous avez l'impératrice. On a de la coupe, on a du bâton, on a une épée, on n'a pas de denier. Donc là, l'heure est à l'action. L'heure est aussi pointée sur vos émotions. Mais ça, on y reviendra après. Alors, en énergie principale, cavalier de bâton, les Gémeaux, vous avez une énergie de dingue. Cavalier de bâton, voilà, c'est l'énergie un petit peu tout feu, tout flamme, qui a envie d'explorer, qui a envie de s'aventurer. Il y a beaucoup d'énergie, mais bon, je reviens un petit peu sur l'incertain instable. Ça veut dire que le cavalier de bâton, lui, il n'est pas fait pour perdurer sur du long terme. Lui, il répond à une impulsivité, à une envie, à un désir, à son instinct. Mais le lendemain, il peut tout à fait se dire, bon, bah, finalement, ça me saoule, je fais autre chose. Donc, voilà, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment un grand dynamisme, un grand dynamisme, une grande énergie déployée. En plus, on est sur des cavaliers, donc beaucoup d'action, beaucoup de mouvements, les Gémeaux dans votre énergie générale. Mais voilà, incertain, instable, c'est que voilà, ça peut être fragile, hein. Ça peut ne pas être constant sur tout le mois de janvier. Voilà. Et ce que vous voulez le plus, c'est le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, généralement, c'est les plaisirs, c'est les amis. Vous pourriez aussi vouloir célébrer quelque chose, attendre une certaine sorte de célébration. Vous souhaitez vous retrouver avec vos amis. Vous souhaitez partager des moments conviviaux avec les autres. Créer un groupe, créer une unité, vous déployer dans vos relations. Donc ça, c'est ce que vous voudriez le plus sur ce mois-ci. Excusez-moi. Ça peut être aussi vos relations qui sont incertaines, qui sont instables, hein.
une amitié avec quelqu'un de votre réseau. Il peut y avoir quelque chose de fragile au niveau du réseau, des relations autour de vous. Parce que vous, on vous voit dans une démarche quand même passionnée. Est-ce qu'il en est de même de l'autre côté? Bon, on y reviendra après. Votre défi, votre challenge, c'est l'étoile. Donc, visiblement, là, c'est centré sur l'espoir, les amis. Votre positivité, votre authenticité, cette notion aussi de lâcher prise, hein, beaucoup avec l'étoile, puisque je vois que ce qui vous aide, c'est plutôt le valet de bâton. Donc, l'étoile, vous aurez peut-être voilà, du mal à lâcher prise, du mal à garder voilà, une vision optimiste, une certaine positivité. Il y a quelque chose d'ordre potentiellement émotionnel qui peut être fragile vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis d'un réseau, quelque chose que vous avez envie de célébrer. Donc là, justement, votre défi, votre challenge, ça va être de lâcher prise par rapport à quelque chose qui pourrait être trop intense. D'accord? Et de garder surtout une certaine positivité par rapport à une situation. On voit bien que ce qui vous aide, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, lui, il est tout dans la légèreté. Il est, oui, tout à fait dans l'énergie aussi du lâcher prise. Il vit l'instant présent. Ça veut dire que c'est un petit peu chaque jour suffit sa peine. Voilà, j'essaye d'optimiser au mieux ma journée, puis on verra demain. Donc, c'est pas quelqu'un qui va projeter. Parce que vous, on voit que dans votre monde intérieur, vous avez la reine d'épée. Donc, la reine d'épée est très dans le mental. Donc, il y a vraiment cette idée de déployer comme une certaine forme où je profite de chaque jour, un certain enthousiasme, une certaine volonté de découvrir. De s'amuser tout en découvrant, de s'amuser tout en travaillant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de positiver par rapport à chaque journée qui se présente. Et c'est ça le truc. On voit que dans l'énergie déployée, cavalier de bâton, vous êtes déjà un petit peu dans cette énergie. Maintenant, le cavalier de bâton, lui, il est beaucoup dans le mouvement. Là, ce qui vous aide, c'est plutôt un valet de bâton. C'est cette notion. Voilà, peut-être de ne pas courir dans tous les sens, mais plutôt d'avoir cette vision de vraiment je profite de chaque journée, j'optimise chaque journée, je profite de l'instant présent et je garde quand même une certaine sorte de légèreté par rapport à tout ça. Ok, mais je vais creuser là parce que moi j'ai cette carte dominante, de toute façon on ira recouvrir après, qui fait que ça pourrait être, voilà. Comme le dit la carte, ça pourrait être un peu fragile. Un jour vous voulez, un jour vous voulez moins, etc. Dans la vie sentimentale, vous avez le soleil. Donc, impeccable. Donc, oui, le soleil nous parle de bonheur, nous parle de vitalité, nous parle de santé, nous parle aussi d'éclaircissement. Donc, ça pourrait être une belle rencontre. On pourrait être aussi sur cette notion, voilà, je suis heureux, hein, le soleil, c'est ça. Il y a cette idée aussi de briller, d'illuminer. Donc, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être en vous-même. Le soleil, vous voyez, c'est l'énergie vraiment qui réchauffe par excellence. On se sent dans le bien-être, on se sent fort. Il y a aussi cette notion d'ego hein, qui ressort avec le soleil, où l'ego est flatté, l'ego est admiré. Cette idée aussi de victoire, de réussite dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Donc pour les célibataires, oui, on peut tout à fait nous parler de rencontre, on peut nous parler aussi de se sentir heureux, même enfin, que vous soyez célibataire ou en couple. Et cette notion aussi de quelque chose qui s'éclaircit hein, dans votre vie sentimentale en général, j'irai développer. L'impératrice dans votre vie professionnelle, matérielle. Donc là, on parle d'abondance, on parle de productivité, de fertilité, on parle de projet. En gestation avec l'impératrice, l'impératrice est une très bonne communicante. Donc il y a cette idée voilà, de fertiliser quelque chose dans votre vie professionnelle, de préparer quelque chose qui est en train de germer. L'impératrice, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un peu la productivité. Donc il y a cette idée d'un mois très productif dans votre vie professionnelle ce mois-ci.
Comme je vous disais, l'impératrice a aussi l'art de la communication. On peut parler aussi d'une personne, comment dire, qui est écoutée, qui est mise en valeur, de générosité aussi avec l'impératrice, hein, c'est un peu l'amour inconditionnel. Donc, j'ai l'impression que vous déployez, voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, par rapport à quelque chose qui émane d'un désir, d'une volonté, d'une détermination. Mais on voit que vous, ce qui est très important quand même, c'est le réseau, c'est les relations autour de vous, c'est faire partie d'un groupe potentiellement. Mais je vais revenir tout de suite sur la carte spirituelle. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle est méfiante, elle est prudente, elle sait analyser, faire preuve de discernement dans les situations. Et j'ai l'impression que il y a peut-être cette idée aussi de cœur froid avec la reine d'épée, où, comment dire, je reste un petit peu détachée de mes émotions, je me laisse pas impacter par mes émotions, alors que ce que j'aimerais potentiellement, voilà, c'est me déployer dans mon relationnel, dans un groupe, savourer plus de plaisir, m'amuser un peu plus, profiter un peu plus de la vie. Mais avec la reine d'épée, intérieurement, il y a vraiment cette idée, voilà, où je pense beaucoup, j'analyse tout, je ne laisse potentiellement pas d'ouverture à ça, malgré mon envie, malgré ma volonté, malgré une certaine passion qui pourrait découler, voilà, de ce carré de bâton. Mais vous finissez avec le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, pour moi, c'est vraiment de laisser un état émotionnel derrière soi. Alors, est-ce que justement c'est un état de méfiance, un état de prudence, un état où, voilà, où je ne m'ouvre pas? Il y a quelque chose qui doit être lâché sur cette fin janvier 2024. Moi, je pense que c'est en vous. Ça pourrait être aussi encore certaines réticences, comme on parlait tout à l'heure de lâcher prise, le fait de profiter de la vie, de renouer avec plus de personnes autour de soi, plus d'amusement, plus de légèreté aussi dans sa vie quotidienne. Là, on voit que c'est quelque chose qui est encore fragile. Hein, comme on disait sur ce mois de janvier, mais qui va vous faire quitter quelque chose de manière définitive sur cette fin janvier. Et moi, je pense que c'est un état émotionnel où ça pourrait être aussi une situation. Mais ça, après, je vais aller détailler. Ok, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec incertain et instable? Ouais, on a le 10 de coupe, hein. On peut parler d'un collectif autour de vous, on peut parler d'un réseau, d'un relationnel, ou est-ce que c'est votre envie justement de développer ou de faire partie d'un groupe ou de célébrer quelque chose, puisque le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement émotionnel. Et visiblement, c'est ça qui est fragile. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez cette reine d'épée en spirituel qui fait qu'on garde un côté méfiant? On garde un côté où voilà, où j'ouvre pas mon cœur, où je reste distante. Qu'est-ce qu'on a avec le carré de bâton? Oui, on voit que vous êtes tout feu, tout flamme, qu'il y a une envie, qu'il y a une détermination, une volonté, une envie, voilà, d'expérimenter, d'aventure, de découverte. Et là, j'ai l'impression que c'est par rapport à votre réseau ou des relations en général. Mais vous le maintenez caché. Vous le maintenez caché avec la papesse. Vous êtes très discret par rapport à ça. Vous ne laissez pas transparaître justement cette envie ou ce désir, hein, sur ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe? Dans ce que vous voulez le plus. Bah oui, bah c'est ça. Hein. Ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage. Pour qui vous avez des sentiments, vous ressentez, voilà, des sentiments, vous avez envie de cette ouverture du cœur, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de connecter avec un réseau, vous avez envie de connecter avec un groupe, vous avez envie de profiter de la vie, les Gémeaux. Hein, bah, c'est tout à fait légitime, hein. C'est tout à fait légitime et j'ai envie de dire même vital. L'être humain, voilà, il a besoin de ces connexions-là.
Ou potentiellement, il y a quelqu'un voilà, qui vous attire parmi un groupe, parmi des personnes de votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Ce de bâton. Oui, bah, défi de challenge, hein, ça va être de le lâcher prise, l'authenticité hein, en défi. Comment dire? Cette idée aussi de garder l'espoir, de garder une certaine positivité. Et on a l'as de bâton, hein, l'as de bâton qui signifie bah justement le fait de passer à l'action, le fait comment dire, de suivre voilà, quelque chose d'assez impulsif. Hein. D'ailleurs, attendez, je vais enrichir tout de suite avec le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Moi, je pense que c'est surtout de ne pas être dans l'attente. Il y a une certaine forme de lâcher prise à avoir par rapport à un désir profond. Quelque chose qui pourrait être ambivalent entre votre façon d'être, hein, parce qu'on voit que vous gardez un certain détachement, une certaine distance, une certaine discrétion. Et ce n'est pas du tout vu sur ce que vous voulez réellement. Vous voyez? Ce n'est pas perçu. En tout cas, vraiment, il y a vraiment cette idée, j'irais de lâcher prise, d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes finalement. Hein, il n'y a peut-être pas besoin voilà, de le cacher, il n'y a peut-être pas besoin de le garder en soi, d'être trop discret. Il y a, j'ai l'impression, cette idée avec l'étoile un petit peu de se mettre à nu, hein, de se mettre à nu, bah voilà, j'ai telle envie, j'ai tel désir, j'ai envie. Voilà, de développer, de connecter avec telle ou telle personne, ou d'aller dans tel ou tel groupe, ou d'avoir plus de. Voilà, d'être plus un petit peu dans les plaisirs, de m'amuser, etc., avec les autres, et ben, je le manifeste, je le dis ouvertement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine discrétion par rapport à tout ça. Voilà, c'est timide, c'est fragile. Vous voyez, on n'ose pas peut-être hein, pour certains. Donc, dans ce qui vous aide, valet de bâton, plus de légèreté, plus. Comment dire, je profite de chaque jour. C'est un peu le carpe diem, hein, le valet de bâton. Hein. Neuf de denier, bah, c'est ça. C'est aussi votre confiance en vous. Il y a aussi une certaine forme de satisfaction personnelle où vous avez réussi quand même à arriver tout seul là où vous en êtes aujourd'hui. Là, aujourd'hui, vous avez d'autres besoins. Il est question d'assumer ces besoins. Et là, j'ai l'impression que vos besoins, c'est vraiment de renouer avec votre réseau, de renouer avec des personnes, de plus vous amuser, d'être plus un petit peu dans la légèreté. Et là, il y a vraiment cette idée de ne pas hésiter à affirmer, à exprimer ses besoins et ses envies hein, sur ce mois de janvier, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus sentimental? On a le soleil. Ok, et ben on retrouve notre 3 de coupe qu'on avait dans ce que vous voulez le plus. Donc là, visiblement, on parle de bonheur, de joie, d'éclaircissement, de lumière qui va être faite par rapport à un groupe d'amis ou un réseau d'amis. Alors pour certains, il peut y avoir une triangulaire. Ça, je ne vous le dis pas quand on a le 3 de coupe comme ça. En plus, on vous le dit deux fois. Il peut y avoir une histoire de triangulaire par rapport à ça, mais moi je pense que surtout là, on est sur quelque chose qui se réalise, une victoire, une réussite par rapport à un groupe d'amis pour lequel, voilà, il y a eu des sentiments, il y a cette notion d'avoir envie d'ouvrir son cœur à quelqu'un, j'ai l'impression, qui fait partie d'un groupe. Et là, j'ai l'impression que bah, c'est la victoire, quoi. Donc on voit que vous avez une démarche quand même assez discrète. Reine d'épée, je reste méfiant, je me tiens à distance, mais il y a une réelle envie d'ouvrir son cœur. Quelqu'un qui vous attire, en tout cas, là. Vraiment. Même si vous ne le montrez pas. Et le soleil sur le 3 de coupe, bah, c'est de faire la lumière par rapport à cette histoire et par rapport à ce que vous ressentez, les amis. Bon, 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 bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Eh ben, on retrouve notre reine d'épée.
Ok. Donc on parle d'un projet en gestation. On parle aussi de communication avec l'impératrice, comme je vous disais, de productivité, quelque chose qui se fertilise sur ce mois de janvier. Et puis la reine d'épée, comment dire, il y a quand même cette idée, voilà, d'y mettre beaucoup de d'être carré, d'être structuré, de faire preuve de discernement, de trancher, de prendre des décisions. Mais il y a beaucoup de réflexions par rapport à ce que vous mettez en place ce mois-ci au niveau professionnel. Ouais, la force. On ne veut pas se laisser impacter par ses émotions. Ça veut dire que discernement, il faut que ça soit factuel. On parle d'un projet que vous êtes en train de mettre en place. Il y a cette idée, voilà, d'être dans une certaine forme de productivité, mais ça vous demande de l'organisation, ça vous demande aussi cette notion, comment dire, de... Alors, oui, la reine d'épée est diplomate, mais ça pourrait aussi indiquer certaines décisions prises hein, ce mois-ci hein, par rapport à ça. La force, c'est aussi garder un certain sang-froid, garder un certain contrôle, maîtrise de soi-même. Donc, vous voyez, c'est comme si un petit peu dans la vie de tous les jours, il y a une envie de s'amuser, il y a une envie de profiter de la vie, etc. Mais dans votre vie professionnelle, vous êtes très carré. Hein, ça veut dire concentration, je m'éparpille pas, je vais pas dans tous les sens. La force, c'est vraiment cette notion, voilà, de courage à se maîtriser, à suivre une directive. D'accord? Et là, j'ai l'impression que vous êtes quand même sur un projet assez important sur ce mois de janvier. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée dans la vie intérieure? Ah ouais. Ouais. Dans la vie intérieure, voilà, je reste prudente, je reste méfiante. Il y a vraiment cette idée, voilà, de ne pas se laisser impacter hein, par ses émotions. Mais avec le 8 de bâton, on peut parler quand même de quelque chose qui s'accélère, hein, quelque chose qui arrive. Où vous pourriez avoir un mouvement de recul, et parce que voilà, les choses vont très vite avec le 8 de bâton. Les choses vont très vite, les choses s'accélèrent. Alors maintenant, oui, on parle de fragilité parce qu'il va falloir le consolider. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Mais le 8 de bâton, vous pourriez recevoir aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité par rapport à ce qui pourrait se manifester sur ce mois de janvier, les amis. Puisque je le rappelle, la reine d'épée, c'est quand même une reine qui a été échaudée, hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas devenue voilà, méfiante, avec une grosse carapace comme ça, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, la reine d'épée. Et donc elle se protège. C'est pour ça qu'elle a besoin que les choses soient claires, elle a besoin que les choses soient logiques pour elle. Elle a besoin surtout de justice, d'honnêteté. Et là, il y a vraiment cette idée, voilà, d'avoir du mal à ouvrir son cœur, mais les choses vont se faire quand même d'une manière très rapide. Et là, attendez-vous à recevoir quand même des signes de l'univers, des synchronicités, des choses qui vous mettent sur la voie ce mois-ci. Bon. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? On a le 5 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que vous laissez un état émotionnel derrière vous. Il y a vraiment cette envie de défendre quelque chose, une envie voilà, de s'imposer, une envie aussi, comment dire, de relever le défi, de relever le challenge. Et on laisse un état émotionnel. Alors, est-ce que vous laissez un peu la froideur de cette reine d'épée? Est-ce que c'est votre discrétion? Vous osez assumer, affronter quelque chose? Donc là, c'est tout à fait possible avec le 5 de bâton, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui est encore fragile, qui va y avoir besoin de consolider. Et donc là, avec le 5 de bâton, c'est vraiment cette idée de rentrer un petit peu dans la compétition, de rentrer dans le défi, d'affirmer quelque chose. Hein. On le revendique, parce qu'on voit qu'avec la papesse, voilà, il y avait beaucoup de discrétion, même on ne montrait pas certaines choses. Là, sur cette fin de janvier, il y a vraiment cette idée où je manifeste, où je défends, où je rentre un petit peu plus dans le move, quoi. Ok, les amis. Et on a l'étoile. Donc, bah, écoutez, un mois où j'ai l'impression qu'il va quand même se passer beaucoup de choses. Hein. Il va se passer beaucoup de choses.
J'ai l'impression que vraiment, c'est vraiment de consolider quelque chose. Cette idée, surtout, voilà, de développer ce qui va se passer au niveau de vos relations, vos amis, potentiellement, voilà, ouvrir votre cœur à quelqu'un, mais vous restez méfiant, vous restez prudent. Voilà, cette idée de faire un petit peu la lumière sur tout ça, d'affirmer, de montrer plus vos véritables désirs, ce que vous voulez. Cette idée, en plus, avec le valet de bâton, voilà, vivez, profitez de la vie. Il y a aussi cette idée, voilà, d'enfant intérieur avec le valet de bâton, hein. L'enfant intérieur, lui, il ne se pose pas de questions. Il a envie de faire ce qu'il a envie. Et puis, point barre, on verra après. Donc là, il y a cette idée. On ne vous dit pas de rester prudent. On vous dit de kiffer, quoi, en fait, hein. De vivre ce que vous avez à vivre. Là, on est sur un mois qui est enclin à la découverte, à l'aventure. Donc, il y a cette reine d'épée où voilà, il pourrait y avoir quand même quelques barrières qu'on se met parce que, voilà, parce qu'il y a ce côté un petit peu prudent, méfiant, je reste à distance, je montre pas vraiment ce que je veux, j'ose pas y aller, j'ose pas m'intégrer, etc. Pourtant, les Gémeaux, on sait que c'est le signe le plus sociable, mais on connaît tous des périodes où c'est pas toujours évident. Mais j'ai l'impression que vous allez recevoir quand même vraiment beaucoup de signes, des synchronicités. Soyez attentifs aux signes, les Gémeaux. Faites-moi plaisir ce mois-ci, vraiment. Et puis, bah, vie professionnelle, clairement, ouais, c'est autant je développe, j'ai l'impression que vous développez vraiment quelque chose quand même d'important dans vos relations, dans le cercle amical. Et puis, il y a vraiment cette idée où je reste carré dans ma vie professionnelle, dans mon travail. Ouais, je garde quand même une certaine cadence ce mois-ci. Ok. Eh bien, dites donc, on va aller voir le message d'amour avec l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez? On parlait du lâcher prise avec l'étoile. Nous devons nous défaire de quelque chose du passé. Et moi, je pense que bah, c'est pour ça qu'on a cette reine d'épée, hein, qui nous montre bien que voilà, il y a un cap à franchir et un cœur à ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour accompagner les Gémeaux ce mois-ci? La tornade, un événement brutal vient balayer tes repères. Ouf! En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Écoutez, hein, des fois, j'ai envie de dire, dans la vie, il faut être secoué un peu. Hein, ça fait pas de mal. Hein. Sur le moment, ça fait bizarre, mais on se dit, bah, finalement, oui, j'avais besoin de ce bouleversement, j'avais besoin que quelque chose vienne me titiller un peu là pour amener des changements, amener une évolution à ma vie, tout simplement. Eh bien, voilà les amis Gémeaux, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Faites-moi des retours, les amis, dans les likes, dans les commentaires. Dites-moi comment ça résonne en vous. Et puis, abonnez-vous, hein, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Parce que je vois qu'il y a plus de 70% qui regardent les vidéos qui ne s'abonnent pas. Donc voilà, n'hésitez pas, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis, bah, il me reste à vous souhaiter un très bon mois de janvier, les amis. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines vidéos. Bye bye!